La glande thyroïde est une glande en forme de papillon. Elle se situe à l'avant du cou et est attachée à la partie inférieure du larynx et à la portion supérieure de la trachée. Elle est formée de deux lobes qui sont reliés par un isthme. Chaque lobe mesure environ 4 cm de haut et de 1 à 2 cm de large. Par la circulation sanguine, une quantité d'iode s'amène dans les cellules thyroïdiennes. L'iode joue un rôle important dans le fonctionnement de la thyroïde. Elle est la principale composante des hormones thyroïdiennes et est essentielle à leur production. Une fois que les hormones sont fabriquées, elles repartent dans le sang. L'iode que contient notre organisme provient de l'eau et des aliments que nous consommons. La consommation excessive de sel dans les aliments aggrave la maladie thyroïdienne auto-immune. La glande thyroïde est contrôlée par l'hypophyse. Cette dernière envoie l'ordre à la glande thyroïde de sécréter les hormones thyroïdiennes, soit la tétraiodothyronine, aussi appelée T4, et la triiodothyronine, appelée T3. Ces hormones jouent un rôle dans le contrôle du métabolisme, de la température du corps, de la consommation d'énergie et du rythme cardiaque. L'hormone T4 sert de stockage. Elle est appelée T4 car elle est composée de 4 atomes. Le corps, à l'aide d'une enzyme appelée désiodase, convertit l'hormone T4 en hormone T3 qui est dite active. L'hormone T3 est capable d'augmenter le métabolisme et la température du corps. Il y a aussi une autre hormone appelée thyréostimuline, soit TSH, qui joue un rôle. Cette hormone produite par l'hypophyse transmet à la glande thyroïde l'information de produire plus de T4 et de T3 pour entretenir aussi bien le métabolisme que la température du corps.
le cerveau détecte une faible activité de l'hormone T3 dans les cellules, l'hypophyse produit plus de TSH. Elle fait ainsi afin de stimuler la glande thyroïde pour produire plus d'hormones T4 qui sera ensuite transformée en hormone T3 active. La maladie thyroïdienne est un trouble endocrinien très courant, en particulier chez les femmes. D'ailleurs, certaines personnes souffrent d'hypothyroïdie. C'est une maladie dans laquelle la thyroïde produit moins d'hormones que ce qui est nécessaire pour une fonction normale de l'organisme. Les symptômes sont des ongles et cheveux minces et cassants, une prise de poids, de la fatigue, une baisse du rythme cardiaque. De la constipation ainsi qu'une sensation de froid. D'autres personnes souffrent d'hyperthyroïdie. Il s'agit d'une maladie dans laquelle la thyroïde produit trop d'hormones.
Les symptômes sont la perte des cheveux, une perte de poids, l'augmentation du rythme cardiaque, la nervosité, des selles fréquentes, la transpiration, ainsi que des irrégularités menstruelles. La régulation de la libération des hormones se fait par le mécanisme de rétro-inhibition. Ce mécanisme permet de contrôler l'intensité des hormones produites au moyen de l'iode contenu dans les médicaments ou dans les aliments et d'ainsi ramener un équilibre.